Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous avons vu précédemment comment faire et surtout où acheter son instrument de musique sur Internet. Donc dans l'article qui s'appelait le top 5 des sites où acheter son instrument de musique. Mais il y a beaucoup de personnes, je le sais, qui se disent, alors Internet c'est bien, ça peut me faire économiser, ça c'est admis très souvent. Mais ça va me faire économiser peut-être 5, 10, 15 euros, 20 euros peut-être. Et finalement, bon, ben, je vais regarder peut-être sur Internet pour avoir les prix, mais je vais quand même acheter mon instrument de musique dans un magasin de musique parce que ça me rassure de toucher l'instrument, de l'avoir, de le voir, et puis je l'achèterai plus facilement dans un magasin de musique en produit physique directement. Alors, je comprends tout à fait ça, et c'est un raisonnement qui se tient pour tout ce qui est vraiment instrument de musique, je dirais presque charnel, comme ça peut être les guitares, ça peut être le violon, ça peut être le violoncelle, les contrebasses, ou même des hautbois, des choses, des instruments avant également, saxophone, tout ça. Ça tient, le raisonnement tient moins quand il s'agit d'instruments numériques, comme des pianos numériques, ou des synthétiseurs, des claviers. Puisque bon, on a quand même beaucoup moins de chances, enfin beaucoup moins de risques de tomber sur un instrument qui nous correspond pas ou qui soit légèrement abîmé. C'est vrai que pour un guitariste, je suis aussi guitariste, mais c'est vrai que pour un guitariste qui a une oreille développée, une guitare qui est par exemple à 2000 euros, il vaut mieux la tester avant, évidemment. Alors, dire ça va nous faire économiser 15, 20, 30 euros, c'est pas vrai. Comme je vais vous le montrer ici, avec ce site qui est vraiment fabuleux, dv247.fr, retenez bien ce nom-là. Je l'avais bien évidemment, j'en avais parlé bien évidemment dans mon article précédent, et c'était le numéro 1 du top 5. Mais vraiment, je me suis dit, tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais comparer vraiment les prix, et vous allez voir que c'est véritablement incroyable. Alors, je suis tombé sur un piano là, qui s'appelle le Casio Privia PX330BK. Et DV247 nous le fait à 595 euros et 11 centimes pour être tout à fait précis. Alors en plus vous avez une garantie 4 ans et 30 jours satisfaits ou remboursés, donc ce qui est magnifique. Enfin 4 ans c'est le plus que j'ai trouvé sur internet. Ce qu'on voit parfois c'est 3 ans, et déjà c'est satisfaisant, mais là 4 ans donc c'est pas mal. Et 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous avez aussi les conditions ici qui sont tout à fait correctes. Alors il est à 595 euros. Donc moins de 600 euros sur DV247. Et si on regarde sur Google, en même temps, je vais y arriver, voilà, à combien il est sur d'autres sites. Donc vous voyez ici que le moins cher est à 759 euros, donc 160 euros de plus, même un peu plus, sur ce site-là. Sur Thomann, il est à 777 euros, et c'est tout à fait le même modèle, hein. Donc là, ça fait quasiment 200 euros de plus. La même chose sur Thomann ici. Bon, évidemment, il nous propose en plus des petits accessoires, donc ça peut être intéressant et c'est pour ça qu'il est un peu plus cher. Sur Woodbrass, Rue du Commerce, il est à 939 euros. C'est vraiment imbattable hein, comme prix. Vous voyez, moins de 600 euros, c'est fou. Alors là, on est quand même pas mal à Lukat, mais bon, Lukat, je sais même pas ce que c'est. C'est un site, moi, qui m'annonce, qui m'inspire pas trop confiance, mais il est quand même à quasiment 100 euros plus cher. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il vaut mieux payer moins cher. Bon, effectivement, si c'est pour gagner 10, 15, 30 euros, c'est pas forcément la peine d'aller dans des magasins de, enfin, d'aller sur des sites en ligne comme ça pour prendre un petit peu le risque, parce que c'est sûr qu'il y a toujours le risque pour se faire livrer, même si on a quand même 30 jours satisfaits remboursés. Et je comprends tout à fait qu'on veuille aider aussi les commerçants de notre quartier. Mais là, quand on a, je sais pas, 100, 200, 300 euros de réduction. Enfin, moi, personnellement, j'hésite pas, quoi. Alors, évidemment, ce site dv257.fr est magnifique, mais vous en avez d'autres, et les autres de mon classement sont aussi, en général, extrêmement bien placés. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur Internet, vous avez vraiment des réductions et des bonnes affaires à faire qui sont vraiment magnifiques, quoi. Donc, renseignez-vous, allez sur Internet. Vous avez aussi d'autres sites, comme par exemple le site Woodbrass, dont j'ai parlé déjà, sur mon top 5, qui se dit le numéro 1 dans le monde pour vendre des instruments de musique.
Et c'est vrai qu'il fait aussi des prix vraiment concurrentiels. Et parfois, ça peut arriver que sur DV247, les prix soient plus chers que sur Woodbrass ou que sur Thomann. Ça, c'est tout à fait possible. Donc vraiment, quand vous voulez investir et quand vous voulez acheter votre synthé ou votre piano numérique, vraiment essayez de faire le maximum de sites que je vous ai conseillés, voire d'autres, et vous verrez que vous aurez des prix qui seront vraiment très intéressants. Et je pense que vous pourrez économiser. Bon, évidemment, ça dépend du prix de votre appareil, mais si votre appareil est à 500 euros en magasin, vous pourrez le payer 400, voire moins, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Et même ce que je disais tout à l'heure au niveau des instruments que j'ai qualifiés de charnels, donc des instruments qu'on touche vraiment et qu'on a envie de jouer directement, qui ne sont pas numériques. Moi, j'ai déjà commandé une guitare sur Internet, c'était sur Thomann. Oh bah là, j'étais super, mais il n'y avait vraiment pas du tout de soucis et la qualité du son était largement aussi bonne que celle en magasin, quoi. C'est une guitare qui valait quasiment 400 euros en magasin et là, je l'ai eu pour moins de 300 euros. Donc, ouais, elle était même à plus de 400 euros en magasin et je l'ai eu pour moins de 300 euros sur Internet. Vraiment foncé, quoi. Et puis, allez-y. Par contre, faites quand même attention et lisez les conditions de vente et les conditions de garantie parce que, évidemment, c'est pas de mon ressort. Et elles peuvent changer à tout moment. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu pour aller acheter votre instrument de musique sur Internet. Je pense que vous ne le regretterez pas. Et en tout cas, vous allez faire de belles économies. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le blog Piano pour tous.